Bonjour maître, c'est pour le rapport de mission, j'ai terminé. Une seconde. Oui, monsieur le président. Ok, je vous envoie ça. 300 AK-47, puis 3 snipers. Ok. Je vous envoie ça dans quelques jours. Ok, bye. Oui, salut, tu es rapport de mission, t'as pris des bons médicaments? Oui, j'ai tout ramené, enfin j'ai tout pris ce qu'il y avait, voilà la flemme de voilà de chercher si c'était bon, j'ai tout ramené. Ok. Après, j'ai tout fait sauter aussi, comme vous vouliez. Par contre, il n'y avait pas que des loups, il y avait des zombies partout. Faut faire sauter? Bah, je sais pas, là, c'est votre amie, là, Malinka, truc bidule machin chouette. Elle m'avait dit de tout faire sauter après. Donc, j'ai tout fait sauter, moi, rien à Quoi? foutre. T'es-tu allé à la pharmacie? Ouais. Tu l'as fait sauter. Ouais. Eh merde. Est-ce que l'autre gars était venu avec toi? Non, j'étais seule. J'étais pourtant dit que vous alliez être à deux dans cette mission. Bah, je préfère bosser seule personnellement, hein. Oui, mais la deuxième personne était censée réparer la machine qui permettait de construire des antidotes. Et c'était qui cette deuxième personne? Ah ben ça, il s'appelait Bourdel là, mais bof. Ce nom me dit grave quelque chose. Ah, c'est pas grave. Il devait réparer la machine qui permet de créer des vaccins contre. Le virus? Ouais. Virus zombie? Ouais. Oh Et putain. j'espère que t'as pas fait sauter les escaliers. Je pense que non. Ouf, je vais envoyer des jeunes même. Bon, c'est pas grave. J'ai pas le choix de te donner un grade pour qu'est-ce que tu viens de me rapporter. Bon, te voilà recrue. Ça te va? Recrue, d'accord, recrue, d'accord. Et j'étais quoi avant, la sous-merde? T'es belle? Putain, c'est n'importe quoi. Vous êtes fou. Non, t'étais plus civil que d'autres choses. Civil, Bon. d'accord. Et c'est moi qui défonce des hordes de Bon. zombies à moi seul. Pour Pas pouvoir possible. avoir plus de grants, puis avoir plus de salaire, et en montant de grants, ça te donne plus de salaire, blablabla. On y reviendra pas à ça. J'ai oublié de te dire dans le règlement. Je l'ai complètement loupé. Une chance que les autres m'ont le rappelé. Les armes que tu as utilisées pendant ta précédente mission, va falloir que tu les jettes. Quelles armes? Les armes que j'ai dans ma chambre. Non, pas les armes que tu as dans ta chambre. Les armes que tu viens d'utiliser pour ta mission. Ah, le lance-pierre, l'arbalète et tout. Ouais, tu dois les jeter. Bah, c'est déjà fait, c'est trop de la cablotte, hein. Je tiens à préciser que va falloir que tu fasses une économie d'armes. Je vais juste te préciser que tes armes, tu pourras juste les utiliser pour une mission. D'accord. C'est la seule objection. Je vais te donner un cadeau pour avoir quand même rapporté un peu de médicaments. Tu vas pouvoir aller la chercher dans ta chambre quand tu seras prêt. Et je vais te donner une nouvelle mission. Ta nouvelle mission, si tu l'acceptes, c'est une mission qui n'a pas trop d'importance. D'accord. Ben, c'est d'aller voler des armes. Et où? Dans le bunker. Attends un peu, je check dans le rapport de l'espion. Putain, mais dans un bunker? Bunker bêta. Oh, mais t'es dingue! Mais vous êtes dingue! Mais vous êtes fou! Et vous m'envoyez la seule! Sans équipement, sans rien, sans équipement spécial, comme ça. Au début, je te censais envoyer une unité, mais comme t'aimes bien travailler seul, je t'envoie seul. Ok? Pas de problème, mais est-ce que vous avez les plans des bâtiments? Moi, je connais pas ce bunker, moi, je connais que le Delta. Les Est-ce que plans, les les plans. bunkers... Par contre, il y a un truc que j'avais entendu parler, c'est que les quatre bunkers étaient des bâtiments identiques. Ok. Mais c'est pas le gouvernement qui va attendre pour ses armes. Bon, ça fait que je vais vous demander. Je devais te demander d'attendre quelques heures, puis je vais voir si j'ai des plans. Si j'ai pas de plans, tu vas y aller en improviste. D'accord, donc infiltration, c'est ça? Ouais. À gauche de moi, il y a un gars qui va. Le gars qui. Le Mexicain qui est à gauche de moi vend les armes. D'accord, et je pense qu'il est pas là, le Mexicain, là. Hein? Oui, quoi? Il est pas à côté de toi, le Mexicain. Je pense qu'il a dû aller au shot ou quelque chose parce que moi je vois personne à côté de toi. Ok, c'est pas grave. Bon, moi je m'en vais en mission. D'accord.
Donc, je serai pas là pendant une journée. D'accord. Et est-ce que vous connaissez les coordonnées vers le bunker bêta déjà? Parce que ça a combien de jours de marche exactement? Je sais pas, reviens me voir dans une heure. Ok. Dans 1 heure, bah d'accord. Bon bah. Je viens juste d'avoir la mission à te donner. Ouais, bah aussi j'attends mon salaire, hein. Allez, à tout à l'heure. Ton salaire. Ouais, dans ta chambre, comme d'habitude. Bon. Ouais. Bye. Dingue. Putain. Va buter des gens là, pas des zombies. N'importe quoi. Ernesto est demandé. Ben, comme temps. Où t'as. Ta gueule, c'est bon, Ah, j'arrive là. bon, il est demandé là-bas, là, où que j'étais, là. Je sais plus comment que ça s'appelle cette zone-là. Je suis tellement vieux, là. T'es tellement vieux, d'accord, ok. Bon, bah, me voici. Bon, voilà un plan que j'ai transféré directement dans ta chambre. Et D'accord. les coordonnées sont notées dessus. Aussi, une autre information. Je sais que tu as peut-être peur de tuer des gens. Mais tout le monde ici a tué au minimum 10 personnes. D'accord, et ces gens-là, Des c'est du humains, pas des... gouvernement, je pense. Du gouvernement, oui. En Ah même bah, temps... pas de problème, alors je me ferai un plaisir de les défoncer si tu veux. Je tiens à préciser qu'on travaille aussi avec le gouvernement. Donc, ne te fais pas, surtout pas réparer et ne parle jamais en nos noms. D'accord. Qu'est-ce que je voulais dire déjà? Est-ce que je dois buter les civils? Tu dois buter que si nécessaire. Si quelqu'un te voit, tu le butes. Peu Ok. importe, si c'est un enfant, tu le butes. Si c'est un adulte, tu le Et est-ce butes. que j'ai le Femme, droit à un tu le butes. silencieux sur une arme ou un truc? Achète-toi-en un. Avec ta paye. Ta paye D'accord. que j'ai réduit en deux pour la bêtise que de l'explosion, mais. Ben j'y peux rien, moi c'est ta Ta pote la paye. Malinka, moi j'y peux rien sinon. Si tu me disais des numéros, je saurais peut-être de qui tu parles. Moi, je marche. Malinka truc bidule machin chouette là, voilà. Ça me dit rien. Je connais tous mes employés au niveau des numéros. Comme toi, t'es le numéro 007. Ça te va? 007, d'accord. Ouais, pas 7e arrivé au bunker. Oh, excusez-moi. Un petit truc dans la gorge, hein. Voilà. Ouais. T'es le 7e qui est arrivé au bunker. Je sais plus quel nom était le Delta? bunker. Delta, ouais. Ouais. T'es arrivé là-bas, puis après. T'étais sûrement libéré ou je sais plus trop quoi. Mais il y a un truc qui tourne pas rond là-dedans. Pourquoi j'étais isolé des autres dans le bunker? Bon allez, de toute façon je vais y aller, je pense que hein, je pourrais y Mais réfléchir. attends, 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 attends. Je veux juste te dire quelque chose. Qu'est-ce que je t'ai dit hier à propos de que t'étais là pendant 100 ans ici? T'as peut-être plus de 100 ans, mais t'es pas venu, t'es pas ici. T'étais pas ici. T'étais dans le bunker où je viens de te dire, avec les 7 autres personnes. D'accord. Vous Avec étiez... truc là, SNK ou un truc du genre là, et ensuite il y avait Hightech, et les autres je les connais plus, hein, voilà. Hightech 002. Sankan 006. Mais lui c'est un soldat, Sunken. Et c'est un espion. Il te laisse sortir? Ouais. Ou tu t'es évadé? Ah, il y Euh, aura il un m'a prochain laissé mission. sor il m'a laissé sortir, hein, je lui avais demandé de me laisser sortir là. C'est un espion. Il Bon travaille allez. avec nous, mais il s'est fait tuer hier. Ah. Dommage, il s'est fait repérer. Oh là là, ça va Donc, être le si. bordel. J'espère qu'en faisant ça, je ferai pas une connerie. Je suis sûr que je vais faire une connerie comme d'habitude là, comme j'ai fait dans ma précédente mission, une grosse connerie. Ensuite, je vais me faire repérer, je vais me faire capturer. C'est n'importe quoi. On a une crampe de cerveau? Ah, Hein, quoi? je pense qu'on a une crampe de cerveau. Bon, bah je vais aller me préparer de toute façon. Bon bah à plus. Allez, bye bye. Non, j'étais en train de penser à quelque chose. Bon, c'est pas grave. Bye. D'accord. Bon allez. Bon, j'ai préparé mes armes.
Malika, machin chouette, est demandé au bureau. Malika, machin chouette, est demandé au bureau. Et quoi, il me parlait d'un putain de numéro, mais les cons, lui. Venez au bureau. Ouais, c'est comme ça que je vais appeler la place, le bureau. Venez au bureau, Malika, truc machin chouette. D'accord, bon. Qu'est-ce que je me prends comme arme? Je suis bien tenté par le flingue. Parce que c'est facile de mettre un silencieux. PPSH, Thompson et ma carabine, ça, c'est des armes de la Seconde Guerre mondiale. Mais... quoi? Mais... oh putain, qu'est-ce que je raconte encore? Car 98K aussi. Waouh! Ok, c'est bizarre. MP5, je pense que c'est parfait pour mettre un silencieux. Donc je me prends un MP5. Rien à cirer. Mire parfaite. Ah non, qu'est-ce que je me prends? Je me prends un couteau. Bien évidemment, un couteau. Munition ici. Alerte! Alerte! Qui a nettoyé les toilettes il y a 2 jours? Oh putain, il va la fermer lui avec ses chiottes. Il est pas content, il chira par terre. Hein. On doit les fermer pour l'instant. Pendant, je sais pas, moi, une semaine, on vient de me dire. Il y aura pas de chiottes pendant une semaine, donc vous allez chier dans la nature parce que quelqu'un m'a nettoyé les toilettes. On plaisante pas avec le virus. D'accord, il reste un petit peu d'argent. De toute façon, je pense qu'il y a dû avoir une erreur dans le système de la paye parce que là, j'ai pas reçu mon fric. Bon, de toute façon, c'est pas si grave que ça. Allez, je retourne voir le maître. Hein, pour lui dire que je suis préparé, hein. Voilà, je suis pas parlé. Ok, Par contre, j'ai toujours pas reçu mon salaire. Hein. Alors, c'est pas grave, tu le recevras prochainement. Ok, ouais, mais le problème, c'est que là, j'ai que 3 bouteilles d'eau. Et que, bah, en fait, j'ai pas de bouffe, quoi. J'ai pas de quoi m'acheter de la bouffe, tu vois. Ce serait bien un peu de... hein. Tu vas attendre après ta mission. T'auras pas besoin de plus, je pense. Ah, mais il me faut de la bouffe, moi, pour les longues journées de marche et tout, là. Ok, va voir le cuisinier. Va t'en cuisiner quelque chose. Mais attends un peu avant que tu partes. J'ai un petit cadeau que je fais à toutes les recrues. T'as un hélico à toi. D'accord. Tu vas pouvoir te transporter où que tu veux. Ah, mais par contre, là, le problème, c'est que je sais pas piloter. Donc, je préfère y aller à pied. T'as un pilote avec. Ah, cool. Le pilote t'amène où que tu veux. Sauf dans les zones ennemies. Et c'est sauf qui si ce pilote il s'appelle comment? Ce pilote, il n'y a pas de nom, c'est un pilote. Il est payé pour piloter l'avion. C'est pas Raikia, vous. Oh putain, qu'est-ce que je raconte encore? Non, c'est juste un pilote. D'accord, ok. Tout le monde a son propre pilote. Ah, mon propre pilote personnel. Ouais, tout le monde a son propre pilote personnel. Ah cool alors. Bon bah allez, je vais aller piquer de la bouffe au cuistot, hein. Attends. J'apprécie, je t'ai pas fini avec mes explications, Deluco. Tu ne vas pas dans les zones ennemies, sauf s'il veut. S'il veut pas aller dans une zone, tu dois le payer le double. S'il veut pas le double, tu payes le triple. Si tu veux pas le triple, tu payes le quadruple. Faut quand même que tu le payes ton pilote, c'est pas moi qui le paye. Bah donc... j'irai à pied, hein, rien à foutre. Bon allez, je vais m'acheter de la bouffe. Bye. Bonjour, le mec que je ne connais pas, le maître m'a donné l'autorisation de prendre de la nourriture. Waouh, j'en ai trop là. Voilà. Voilà. Ça va aller, ça va le faire. Voilà. C'est bon, j'ai ma bouffe. Bon, maintenant, je vais essayer de me fabriquer un silencieux. Je retourne dans ma chambre. Je pense que voilà. Je vais partir dans 1 heure. Je vais essayer de me fabriquer un espèce de silencieux. Donc voilà. Allez, j'y vais. Oh là là. Encore une nuit vient de se passer. Ça fait plusieurs jours que je marche vers le bunker alpha. Non, c'est bêta, je pense, c'est bêta. Oui, je vais vers le bunker bêta. Ça fait plusieurs jours que je marche. Et que je marche. Je croyais que je pouvais avoir un hélico, mais j'avais pas assez de fric. Oh tiens, une luciole, en plein jour.
Oh, toujours aussi magnifique le soleil. Je suppose que ça doit être la dernière journée de marche qu'il me reste. Oh, on a quelqu'un là-bas. J'ai pas trop confiance là. D'accord. Ça risque d'attirer les zombies à mon retour. Je veux pas être accueilli à mon retour. Je veux pas qu'on ait des milliers non plus. Donc, je continue d'avancer vers les coordonnées qu'on m'a données. Ce Japon, il a vraiment une visée de merde. Hein. Wow. J'aime pas du tout. N'aime pas du tout cette visée, putain. Le soleil. J'aimerais bien avoir une montre ou quelque chose pour savoir l'heure. Je marche dans les prairies, je suis tout seul, je vais me taper 500 ennemis à moi tout seul. Super, hein. C'est super motivant. Je suis vraiment motivé. Oh, des champignons. Je vois plein de champignons là-bas. Bon, je vais prendre des champignons, hein, de toute façon. J'ai aucune limite de temps. Donc je prends pas de champignons. Enfin, je prends des champignons. Et je peux prendre mon temps. Je vais prendre ça ici, comme ça je saurai combien j'en ai. Champignons marrons. Je pourrais me faire un peu ma propre bouffe. Ce qui sera... Parfait. Oh là là. La bouffe, il y en a plein. C'est ma bouffe. Bon, maintenant que j'y suis, je vais prendre du bois. Une abeille. Une magnifique abeille. Tu peux me donner du miel? Envole-toi avec tes ailes. C'est bon. Wow. Ok. Je pense que je vois le bunker. Ok. Il est un petit peu loin donc je vais couper un autre arbre et après j'irai dans le bunker. J'irai voir un coup. J'ai toujours pas eu les bâtis, enfin les plans du bâtiment par contre. Bon, moi je pense que je vais passer la nuit ici, de toute façon, pour essayer d'établir un plan. Soit je vais en infiltration comme le maître a dit, ou soit je fais en mode baston. Perso, je suis plus chaud pour la baston, moi. De toute façon, j'ai un truc dans mon sac que je n'ai pas le droit de vous montrer tout de suite. Si vous voyez cette vidéo, un jour... Pas le droit de vous montrer ce que j'ai caché dans mon sac. En tout cas, si je veux bastonner, c'est l'idéal. L'idéal. En plus, c'est même pas moi qui l'ai payé. Ça a été fourni par le maître. De ses poches à lui. Bon, allez. De toute façon, je le mérite bien. J'ai jamais une minute de vacances un peu là. Me faire d'autres coffres dans ma chambre à la base pour ranger mes munitions que je pourrais m'acheter ma bouffe et tout. Qu'est-ce que j'établis comme plan? Bah, je défonce la porte et je fonce dans le tas, quoi. Non? Oh, c'est pas évident, c'est pas évident. Ah, je pense que je sais. Au début, je vais m'infiltrer et après, ce sera le moment, je bastonnerai. Comme un gros malade. Comme un gros dingue.
sinon j'improvise, hein, j'improviserai. Pour l'instant, je suis pas trop motivé par ce que j'ai là. Je suis le Japon pas avec une mire de merde, là je suis pas trop motivé, personnellement. Santé. Je vais me faire un abri sur un arbre, hein. Je pourrais y réfléchir sans être encerclé de tous les coins, même si il y en a aucun autour de moi. Si vous voyez de quoi je veux parler. Ah, elle court vite cette fourmi. Bon, je vais faire mon établi. Je vais me faire un petit truc corps à corps vite fait là. Hein. Je prendrai bien un petit peu de pierre et tout, wesh. Je vais prendre un peu ça comme des vacances aujourd'hui. Et demain, j'irai au bunker, c'est juste à côté. Donc. Je me fais des coffres pour dans ma chambre. Oui, je sais, je suis. Je suis très prévoyant. Donc voilà, j'ai de la bouffe. Bon. Voilà. Non. On se garde. Ah, je sais ce que je pourrais faire. Mais avant, il me faut de la pierre. Que dans le bunker ça va se passer comme prévu, putain je stresse un max. De toute façon je vais tous les défoncer à moins, enfin je sais pas combien ils sont exactement, il aurait dû me le dire le maître. S'ils sont à peu près une dizaine ça va, mais s'ils sont 150 voilà quoi, si on le sent passer. Bon après, s'ils sont 150, ça peut quand même être gérable avec le gros joujou que j'ai dans mon super sac. Oui, il est assez gros pour rentrer dans mon sac. Ouais. Et c'est l'arme la plus utile que j'aurais jamais touchée de ma vie. Alors. Qu'est-ce qu'on a là? Un papillon, on dirait, non? Une formée ou une sauterelle, ou je sais pas. Si ça se trouve dans les bunkers, je trouverai des cafards. Des cafards, tout dégueulasse. On essaie de les écraser, ça les écrase même pas à cause de leur coquille. Dégueulasse. Maintenant que j'y pense, pourquoi je reste pas comme ça tous les jours, là je suis bien. Pourquoi j'ai pas au cessez-le-feu? Enfin, pourquoi je reste au cessez-le-feu, je comprends pas. Peut-être parce qu'ils ont beaucoup de flingues et tout, moi je suis beaucoup attiré par les flingues. Je pense que c'est les flingues. Un petit four, hein, on sait jamais. Hop. Voilà, la pioche, ça peut sauver la vie. Maintenant, la hache. Voilà. L'abri dans un arbre. Le soleil se couche bientôt. Oh, c'est parfait alors. Allez. C'est bon. Même si malheureusement, je n'ai rien à faire chauffer. Dommage. Donc, qu'est-ce que je peux bien acheter ça? Ça, je vais plus m'en servir.
J'ai rangé beaucoup de munitions, enfin j'ai rangé des munitions dans le sac. De toute façon, je ne vais pas savoir ce qui m'attend. C'est bon. Mon sac sur moi, dans mon dos. Donc. Je les entends arriver. Dégage, merci. Oh, faut que j'évite de tirer. Les gens du bunker, ils pourraient m'entendre tirer là. Si j'arrive à voir le bunker, je pense qu'ils peuvent m'entendre. Faut que j'évite de mettre de la lumière parce que sinon ils pourraient me voir aussi. Oh, il n'y a pas de silencieux sur ce fusil à pompe à la con là. Putain. Au moins, il sert à quelque chose. Oh, j'adore. Non? Pas crevé? T'as pas le choix de toute façon. J'ai fait un four en fait. Sais pas. Voilà, je vais faire chauffer du charbon. Comme ça, voilà. J'ai un petit peu la petite survie dans mon coin. Pendant que je suis en mission, plusieurs jours de marche, hein, je vais en profiter de cette excuse. Je vais profiter de l'excuse pour me faire des trucs. Et pour ramener du stuff. Mais par contre, je pense que le maître va se douter de quelque chose, mais bon, rien à foutre. Rien à cirer. Oh là là, ils sont trop nombreux là. Mon sac. Oh, ça te Ah, tout ce qu'il y a, bande de morphales. Oh, ça me fait pas mal de chair, je vais faire avec ça. Façon, il servait à ça. C'est ma mission. Tuer tous les zombies pour les jours de marche. Voilà. Bon, maintenant ramenez-vous, bande de bâtards. Bande de bâtards, allez. Bon, je récupère absolument la chair pour le fric. Dommage de revenir les poches vides quand même. Allez. Bon, je garde ça sur moi. Ouais, allez, bande de forêt. Ils sont partout. Oh là 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 là, c'est quoi tout ça? Je leur coupe la tête avec un truc en bois et tout. Oh là là, c'est dégueulasse. C'est dégoûtant. À fond. Oh là là. Arc. Oh. Je vais m'habituer à voir ce genre de choses. Merde. Allez, il faut que je me fasse un vieux truc en bois tout pourri là. Eh ouais, bâtard.
connard. Ouais. Casse-toi. Oh là là, faut tout gérer en fait. Tout gérer. C'est difficile à mort, mais c'est stressant. Putain, j'ai fait une connerie là. Si je râle au bunker tout de suite, je serai pas dans ce merdier. En même temps, j'avais qu'à pas tirer dans tous les sens quand même. Voilà, on va avoir de quoi survivre. On reste de la nuit. Oh là 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 là, tout ce qu'il y a. Non, en tout cas, je vais tous les niquer pour le truc. J'aurai de la bouffe et tout, des armes pour mes prochaines missions. Si je réussis celle-là, bien sûr. Oh là 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 là, tout ce qu'il y a. Je vais me permettre de tirer un chargeur d'MP5 dans le tas. Voilà, ça fait son... Ça fait quand même son petit effet. Ah ! Non. Bâtard de rat de merde, là, je t'encule, le rat. T'as compris, le rat, je t'encule. Ah là 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 là. Je vous déteste, les rats de merde. Oh, je vais crever. Partout. Oh là là. Putain. Je me grouille de retourner à mon arbre. Oh, l'enculé de rat quand même. L'enculé. Oh, l'enculé. Oh là là. Oh là 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 là, c'est pourquoi je me suis foutu dans ce merdier. Oh l'enfoiré de rat. Je te jure, je te chope le rat, je t'emmerde, hein. Je te défonce la gueule et je te laisse te faire bouffer par les zombies. Oh l'enculé, sérieux. L'enculé. Wow. Oh là là, j'en reviendrai pas de ce putain de rat à la con là. J'ai failli crever là. Bon, une morphale. Allez. Oh, c'est quoi tout ça? C'est une horde, sérieux. C'est une horde. Allez, le soleil, là, tu te lèves. Et tu me fais cramer tout ça, d'accord? Toi, dégage. Merci. Voilà. Non, dans votre gueule. Voilà, c'est ça que je voulais. Ah là là. Faites juste crever, d'accord? S'il vous plaît. Allez. Ah bah merci, au moins le soleil t'aurait servi à quelque chose. Bâtard. Je peux te finir facilement. Allez, voilà.
Oh toi, toi je t'ai chopé, enculé, hein. Voilà, dans ta gueule. Casse-toi. Oh, je vais faire du fric là. Toi, casse-toi. Ce que je veux, c'est de la chair. Putréfié. C'est que jette ça. J'aurais quand même un minimum d'équipement. Faut que je jette des trucs là. Ça, je jette. Ouah, mais j'aurais du fric, mais à mort. Oh, c'est trop bien. Mettre des trucs là-dedans, là. Ça devrait aller pour l'instant. Ah, munitions. C'est ça que j'avais oublié. J'essaie d'approcher sans me faire repérer. Si possible. Nous avons une tente là-bas. Je sais pas comment le mec il a fait pour pas se faire buter. S'il y a un mec, bien sûr. Non, il y a personne. Ok. Je suis obligé de... Merde. J'ai une mauvaise posture. Je suis obligé de tuer... celui-là. Allez. Non. Voilà. Faut que je bute celui-là. Mec là. Et celui-là. Headshot. Trop bien. Oh, je vais arriver à rentrer. Oh putain, c'est trop bien. Oh merde, 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 merde. Attends, t'es mort, voilà, c'est bon. J'espère que j'ai pas fait une alerte. Qu'est-ce qu'un zombie fou là? Oh putain. Faut que je descende, faut que je descende. Ça. Ça va bien servir. Voilà. Toujours servir. Il y a quelqu'un. Je l'ai buté, je l'ai buté, je l'ai buté, c'est bon. Oh merde, pas des trucs comme ça. Personne. J'ai peur de manquer de munitions. Improvise. Oh putain, 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 c'est pas... Putain... Merde, hein, c'est pas mon jour, allez. Merde, 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 putain. Je charge, je charge, je charge. Ah, putain, je suis touché, heureusement que j'ai ce masque à gaz, là. Enfin, ce masque à gaz. Je l'ai par balle. Ah merde, y'a quoi, là? Active l'alarme de toute façon. C'est quoi ça? Bah, il y a. Oh, il y a des civils. Putain, je désactive l'alarme. Fausse alerte. J'ai envie de vous dire, fausse alerte. Vous pouvez sortir de vos cellules même si vous n'êtes pas entré.
Pas d'alarme. Suis sûr qu'ils sont en train de m'attendre là, ils vont me tendre. Pas du tout. Merde, 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 merde. Je suis passé. T'es con, toi. Con. Un autre mec, là. Wow. Il a changé. Oh putain, c'est bon. Ah, oh, comment j'ai de la chance. Putain, ça aurait servi à rien de choisir ce que je veux faire. Oh, il y en a d'autres là, ils doivent me chercher d'après moi. J'espère qu'il n'y a pas trop de gens qui ont entendu les coups de feu. Ça me fait un petit peu flipper quand même. Je manque une torche. Ah, faut descendre là. Ça va résonner. Je suis recherché. Plutôt beau gosse, mais pourquoi je suis recherché? Je suis recherché. Faut que je cache ma tête. Faut que je cache ma tête. Sous les tables. Voilà. Qu'est-ce que je vais faire? Faut que j'évite de regarder les gens. Bah, tu vas me voir, je parie. C'est bon. Y'a quoi là? Rien du tout. J'arrive pas à le croire, je suis dans le bunker. Je suis même pas. Oh, le méga flip. Faut que je. Équilibre de l'aération là. Juste là. Allez, regarde ailleurs, regarde. Oh putain de sa mère. Oh, mais pourquoi c'est moi là? Qu'est-ce que j'ai fait? Putain, mais pourquoi il y a ma photo là? Radio. Ah là 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 là. Y a un truc de moi là, attends, je récupère ça. Bon, je pense que je devrais me préparer à tirer sur tout le monde, non? Oh putain. Soit je tire sur tout le monde, soit je continue mon infiltration. J'ai envie de faire avec la manière forte. Voilà. De voir mon nouveau joujou. Machine de mort. Avant, je sais ce que je vais aller faire. Je vais aller nettoyer l'étage du dessus, comme ça je serai sûr de pas pouvoir me faire choper par en haut. Et l'étage d'en haut, je le fais avec le silencieux.
cacher mon visage. Ils sont quatre. Ils pourront me voir facilement. Voilà. Tous butés. C'est bon. Personne n'a rien remarqué. Même eux, trop occupés à contempler ma photo. Putain, comment il a fait pour... Comment il a fait pour pas me voir? Bon, allez. Ah. Faut que je me prépare là. Allez. 3, 2, 1. Baston! Tiens! Ah! Je dégomme tout le monde! Oh, déjà? Bon, bah, tant pis, hein. Je prends toutes les affiches. C'est qui ça? Je le connais pas. Dans ta gueule, bâtard! La personne là! Tiens, dans ta gueule! Je sais, plutôt beau gosse, hein. Je prends tout. Ça, c'est Malinka. Qu'est-ce qu'il y a écrit là? Ok. L'un de nos espions aperçut ce garçon sur une île non loin. J'ai 14-15. Comment ils savent tout sur moi? Putain, ils m'espionnent! Oh, la bande de pédophiles! Putain, je me fais. Une île non loin, ça doit être quand j'ai trouvé le mec déchiqueté là. Je casse ça. Hop, je casse. Je veux que personne puisse en savoir plus sur moi. Voilà. Bon, allez. Je suppose que tout le monde est là-dedans, hein. Tous en train de m'attendre. Oh putain. Faut que je défonce la porte. Et puis voilà. Un des criminels les plus recherchés est en approche vers le bunker bêta. Je répète. Un des criminels les plus recherchés est en approche vers le bunker bêta. Armez-vous et préparez-vous à l'attaque. Quoi? Enfin une trace? Oh putain, je suis trop content. Putain, ils étaient où tout ce temps, ces enfoirés? Dans ton cul! Eh ouais, c'est moi qui ai sur les panneaux. Plutôt que beau gosse, non? Allez, une petite pause café. Ça fait de mal à personne. Putain, qui a eu l'idée de mettre... prendre du café sans sucre? Oh, c'est dégueulasse.